Alors que le tonnerre gronde dehors suite à une canicule étouffante, je vous retrouve aujourd'hui pour un challenge contre Hiraku de Mario Kart Double Dash. Bon alors, ça fait partie des vidéos donc qui étaient prévues. C'est bon, là tu peux faire la configuration. Parce que là, ça risque d'être une vidéo assez longue puisqu'on va faire carrément un grand chelem. Alors je vous le dis tout de suite, ce n'est pas mon jeu vidéo encore une fois, c'est celui de Hiraku. Et Hiraku a la particularité de bien maîtriser ses jeux. Ah oui oui, là elle les maîtrise bien. En plus d'avoir beaucoup de chance, elle maîtrise bien ses jeux. Non non, elle a de la chance c'est vrai, mais elle joue bien. Elle joue bien, il faut l'avouer. Tiens là, on voit pas le poids là. Non, c'est dans 15 jours. D'accord. Oui, parce que normalement, dans les véhicules, on voit les poids. Et en fait, la dernière fois, j'avais essayé avec deux poids légers. Et du coup, la voiture, elle glisse, mais n'importe comment. Donc, voilà, je préfère pas. Je préfère jouer avec un poids lourd. Et je vais prendre. Bon, allez, celui-ci. Voilà. Donc, j'annonce directement que je vais normalement perdre ce Grand Prix. Ce sera pas étonnant. Mais, dans ce cas, tout ce que je vise, c'est au moins le podium. Donc, hier, on a fait une partie. J'avais très mal commencé. Et puis, je sais pas, je me suis concentré pendant la dernière moitié du Grand Prix. Et j'ai fini tout le temps deuxième ou premier. Ok, allez, c'est parti. Si je veux faire un super départ, il faut que j'appuie à la fin du 1. Maintenant, oui. Alors, ça commence bien. Allez, alors c'est parti. Alors voilà, donc moi je n'ai pas le jeu, hein, donc je vais dire, moi quand je me suis remis à celui-ci hier, j'ai vu que j'avais pas mal de difficultés, hein, parce que eh merde, elle me pose un truc et moi je me le prends. Ouais, je suis vraiment plus habitué. Je dis plus habitué parce qu'à un moment j'avais un petit peu joué à celui-ci. Et... alors là, vous allez entendre Hiraku gueuler dans celui-là, normalement. Hein. Bon, voilà, je fais que des conneries. Alors déjà que, sans parler hier, j'avais du mal. Alors là, ça va être horrible. Oui, j'avais déjà eu un... je m'étais déjà un petit peu habitué à jouer à ce jeu. Mais depuis, j'ai vachement perdu. Et du coup, hier, j'ai refait une partie, histoire de ne pas être trop calamiteux aujourd'hui. On va voir ce que ça va donner. Mais à mon avis, ce sera pas exceptionnel. Hein. Ne vous attendez pas à une performance. Si vous voulez une meilleure performance, vous regardez celle d'Hiraku. Voilà. Elle, au moins, je pense que ce sera mieux. Quoique là, pour le moment, je suis assez bien. Mais comme vous le savez tous, dans les Mario Kart, surtout dans celui-ci d'ailleurs, on peut se faire, mais... éjecter n'importe quand, bah voilà, par exemple, n'importe comment, à tout moment. Donc, bon, voilà, pour le moment, je suis premier, mais ça va pas durer. Je vais passer sur le côté histoire de pas trop être embêté, mais bon, c'est elle qui. D'accord. Je retiendrai qu'il faut passer par l'intérieur du virage. Bon bah, pour une première course, ça va. Deuxième, premier, c'est bon Hiraku, non? Bon, elle est rassurée parce que si elle ne gagne pas le Grand Prix, je sais pas ce qui va se passer. Hein. Je préfère pas imaginer en fait. Allez, c'est reparti. Super départ ou pas? Oui. Alors hier j'avais du mal, mais aujourd'hui, eh ben j'ai pas pris d'objet. Mais aujourd'hui ça va un peu mieux. Parce que souvent j'appuyais sur l'accélérateur un peu trop tôt. Du coup bah je me chiais. En fait c'est extrêmement précis, c'est dès lors que le... mais, ah si c'est bon. C'est dès lors que le 1 part en fait. Et c'est très précis.
Donc comme vous pouvez le voir, chaque personnage a ses propres capacités spéciales. Donc la mienne c'est d'envoyer du feu. Mais je crois que je peux utiliser celle de Donkey Kong aussi, non? Ouais, voilà. Oui, bah, je connais pas super bien moi. Merde, mais qu'est-ce que je fais? Ouais, donc je peux aussi utiliser celle de Donkey Kong. Je sais même plus celle, laquelle c'est lui. Des grosses bananes, c'est ça? Ouais. Bon, c'est pas extrêmement bien, mais bon, c'est toujours ça. Ça peut faire chier. Moi, franchement, comme je vous ai dit au début, tant que je finis dans les trois premiers à la fin sur le podium, ça me va. Mais ce n'est pas si facile que ça, surtout que comme je vous dis, j'ai pas l'habitude. Et en plus, on est en 150 cm3. Alors il faut que je m'accroche. Et comme la plupart le savent, jouer en parlant, ce n'est pas bien facile. Si parfois je ne parle pas, ce n'est pas que je suis mort, c'est que je me concentre. Je préfère vous rassurer tout de suite. Remarque peut-être que... Ah, c'est marrant. C'est marrant parce que ce qui s'est passé à l'écran, ça allait être exact... C'est en adéquation avec ce que j'allais dire. C'est-à-dire que j'allais dire, si on m'entend plus, c'est peut-être aussi parce que j'ai été frappé par la foudre. Parce que comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, ce n'est pas des conneries, il y a vraiment de l'orage. Je sais, on est assez fou de jouer alors qu'il y a de l'orage. Bon, pour le moment, ça pète pas trop encore. On l'entend assez loin. Ouh là là, la carapace. Et merde, c'est la fin. Peut-être que je me grouille là. Quatrième, il faut au moins que je finisse quatrième. On peut pas regarder derrière. Hein. Alors ça, c'est un truc qu'on... Ouais, tu peux regarder la carte. Ouais, je peux regarder la carte. Ouais, j'allais dire, peut-être que je vais me frapper par la foudre. Et c'est exactement ce qui est arrivé dans le jeu. Bon, quatrième... Ouais. Il y a tous 12 points. Ouais, on a tous 12 points. Mais bon, comme je suis joueur 2, c'est moi qui suis devant. Je pense que ça marche comme ça. Ouais. Ouais. Alors. Bon départ ou non. Oh, raté. Pourtant, j'étais persuadé d'avoir bien appuyé. Bon, pas d'objet. Ce n'est pas grave. Peut-être en avoir un là. Non, mais pas ça, non. Je veux pas ça comme objet, moi. Ah, ça c'est bien. Oh oui. Tiens, toi aussi ça fait mal. Oh non! Elle avait un objet. Ah mais quand je vous dis qu'elle est forte. Bon, en même temps vous allez me dire quand on a un objet c'est pas bien difficile d'esquiver une carapace rouge, mais quand même. Elle est très maligne. Oh non, le truc qu'il fallait pas. Ah, c'est pas vrai. Ah oui, chacun son tour, oui, mais... Ce qu'il y a, c'est que tu vois, je ne suis pas souvent premier. Donc, hériter de la carapace bleue alors que c'est une des seules fois où je suis premier, c'est pas très gentil, quoi. Et oui. Alors, je pense que si je connais... Je crois que je vais te tuer. Si je connaîtrais un peu mieux les circuits et que je maîtriserais un peu mieux les dérapages, je pense que je serais bien meilleur. Parce que, notamment dans le jeu que normalement tout le monde doit connaître, enfin du moins tous ceux qui ont joué au moins à la PlayStation 1, à Crash Team Racing, et ben les dérapages, une fois qu'on les maîtrise bien, c'est l'élément clé en fait qui nous fait aller vite. Et j'en ai marre, attends où je me fais toujours faire le cul. et donc quand on connaît bien les circuits aussi, et ben là on joue. Je fais exprès là, c'est toi? Oh punaise, mais qu'est-ce que je ramasse là? Voilà, quand je vous dis qu'on peut ramasser à n'importe quel moment. Ouais, donc bien maîtriser les dérapages et connaître les circuits dans Crash Team Racing, ça aide vachement. Et du coup, bah moi, j'ai pas bien de mal dans CTR. Or là, voilà, comme je vous l'ai dit, les dérapages, c'est pas trop mon truc encore.
Et les circuits, bien que je les connaisse un petit peu, je suis pas un pro dessus. Hein. Donc j'ai encore un peu de mal. Bon, deuxième, normalement. Oula, je vais faire le con. Ah, deuxième, c'est bien. C'est bien. Moi, ça me va. Que Hiraku soit première aussi, ça me va. Comme ça, elle gueule pas. Pour le moment, on va dire que tout se déroule bien. Mais franchement, hier, j'aurais bien aimé... franchement, je regrettais hier de pas avoir capturé. Cette putain de fleur piranha de merde, là. Ouais, il y avait la plante piranha qui faisait chier Hiraku. Attendez, je me concentre, là. Oh, mais c'est pas vrai. Je crois que je le fais trop tôt. Alors, celui-ci, c'est un circuit, mais alors... le plus fouillis de tous les circuits. Parce que là, les objets, ça vole de partout, là. Donc, franchement... Non. Avoir une bonne place dans ce circuit relève de la chance. Et qui c'est qui a de la chance, ici? Ouais, c'est toi qui en as d'habitude. Mais bon, elle peut... Je me fais crier à chaque fois, c'est pas possible. Ah, je crois que vous aurez jamais autant entendu Hiraku. Ouais, ouais, là, la chance peut tourner, on verra bien. De toute façon, c'est... Je dirais presque que c'est de l'aléatoire. Là, je suis premier, mais ça va pas durer. C'est qui la vidéo qui a posé une bombe, là? Moi, j'ai pas posé de bombe. La vidéo te le prouvera. Alors là, bien sûr, comme c'est un petit circuit, nous avons beaucoup plus de tours. Mais je suis assez loin, non? Ouais, ça peut aller. Ouais, on a beaucoup plus de tours, en fait, puisqu'il est court, on en a 7. Ouais, j'ai plus champion. Et bah pour le moment, en fait, ça va. Hein. J'ai l'impression, je sais pas pourquoi, mais que là, c'est... Non, je vais rien dire. Non, mais même si qu'il y a un peu moins de bordel que hier, hein, quand on a joué. Merde, je fais n'importe quoi. Hein. Oh, je fais n'importe quoi. Allez, chute. Le dernier tour. Ah non, c'est pas le dernier tour. Ouh là là, j'ai failli me ramasser la banane. Ouh là là, la carapace est pas passée loin non plus. Oh là là, alors là, j'esquive de ces trucs. Mince! Oh non! Non! Deuxième. Mais j'aurais pu finir premier, là j'ai vraiment fait le con à la fin. Si j'avais eu le. Il y avait une étoile sur le terrain? Oui, avec mon œuf. Punaise. Oui, parce qu'en fait, elle, sa capacité spéciale, si c'est un œuf. Allez, en fait, tu le lances et il laisse des objets, des bons objets, c'est ça? Bah, ça dépend, parfois tu peux tomber sur une bombe, sur des bananes, sur des carapaces. Ouais. Comme tu peux tomber sur des. Mais là, il y avait une étoile. Tu l'as loupé. Bah, moi, tu vois, il y avait un champignon vers la fin. Bah, si je l'aurais pris, t'aurais pas fini première. Attention. Bon, comme je disais, deuxième, c'est bien, mais bon, là, j'avais quand même la possibilité de finir premier. Enfin, bon. Faut pas s'en plaindre. Parce que, comme je vous disais. Hier, c'était vraiment chaud. Comme je dis, j'ai regretté de pas capturer parce que bon, au début j'étais mal parti et après franchement je suis accroché jusqu'à la fin. C'était serré avec les deuxième et troisième. Hiraku elle commençait à s'envoler et moi je rattrapais un petit peu par petit peu et arrivé à la route arc-en-ciel, à la Rainbow Road à la fin, j'avais encore 3 points de moins que que celui qui était devant moi, que le troisième, en fait, j'étais quatrième. Et en fait, eh ben, j'ai réussi à finir, il me semble, deuxième à la Rainbow Road. Lui, il devait être quatrième, je sais pas. Et du coup, ben, je l'ai dépassé. Et du coup, ben, j'ai fini sur le podium, troisième. Oula, là, j'ai failli... Je suis passé juste à côté de la cascade. Ouais, j'ai fini vraiment troisième, mais sur les chapeaux de roue. Hein, j'avais pas d'objet pour les skins, dommage. Donc, ça aurait été bien de capturer. Mais c'est pas grave. Ouh là 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 là. Donc, alors, quand vous verrez des bananes mal placées, surtout sur ce genre de pont, ou bien sur les accélérateurs, vous n'avez pas de questions à vous poser, c'est Hiraku. Ouh là là, ouh là là. Allez, tiens. Si, ça te fera du bien un petit peu. Mais si, ça te fait du bien.
Ah mais ça c'est sûr que de toute... Non ! C'est sûr que de toute manière, les Mario Kart, il n'y a pas à dire, c'est vraiment amusant. Prenez n'importe lequel, celui sur NES, soit celui sur 64, c'est celui où j'ai moins joué. Même, je crois que j'ai pas du tout joué, on va dire. Oh non, je suis passé au mauvais moment. Ouais, j'ai pas du tout joué, en fait. J'ai juste vu des vidéos. Et, oh, merde. Non, tombe pas. Oh, putain, non. Oh, putain, ça, c'est le truc à pas faire. Et elle se marre, là. Et te marre pas, t'es première. T'as rien à perdre. On sait jamais. Tu parles. Hop là. Alors, voilà, y a un défaut. Il y a un défaut dans le jeu, que je trouve, c'est que, pour esquiver les trucs... je trouve que le kart c'est vraiment une savonnette. Bon, ça l'était encore. Non, mais non. Ah là, c'est pas moi. Ça l'était encore plus hier. Parce que j'avais un kart léger. Mais alors, quand même. J'ai l'impression que quand on veut esquiver un truc, je sais pas, par la gauche, eh ben, on va à droite. Ça j'ai remarqué. Du coup, ben, ça devient pratiquement injouable. Et je vais peut-être pouvoir grappiller quelques petites places. Voilà, sixième, c'est pas mal. C'est bon. Enfin, c'est bon. C'est pourri. Ouais, je disais, les Mario Kart, c'est amusant. Hein. Celui-ci, et après, lequel... Ouais, en fait, ceux auxquels j'ai pu jouer, c'est sur Wii et sur NES. Non, celui auquel j'ai pu jouer, c'est sur NES. Ou Super NES, plutôt. Je suis en train de dire une connerie, moi. Papa, t'exécutes pas, dernier. Ouais, mais bon... faut que je reste concentré. Et c'est vrai qu'à chaque fois on s'amuse. La différence c'est que sur NES c'est plus du savoir jouer. Alors que plus on avance dans les opus Mario Kart, plus ça devient de la chance en fait. Oui, il y a du savoir jouer parce que sinon Iraku elle serait pas première puisqu'elle sait bien jouer. Mais il y a aussi beaucoup de chance parce qu'on peut facilement revenir premier. Ou être mis en dernière position grâce aux objets. C'est pas possible. Et du coup, ben voilà, ça relève plus de la chance qu'autre chose. Et je prends pas d'objets, mais c'est pas vrai. Et en plus, là, c'est Marie. Bon, oh là, alors là, je fais vraiment n'importe quoi. Ah, mais t'es là, toi. Qu'est-ce que tu fais là? Tu t'es pêlé, non? Non, mais c'est ça. Comment ça? Pour avoir des bons objets, c'est ça? Hein, d'accord. Ah, elle fait celle qui finit toujours trop première, voilà. Elle en peut plus des objets de merde. Oh non, mais c'est pas vrai. On a du mal à éviter les items quand même. Voilà, c'est... Oh non. Je suis vraiment obligé de ralentir pour pouvoir bien tourner. Parce que si j'aurais tourné à gauche, eh ben, je me serais quand même pêlé le... on appelle ça le palmier. Et même quand on glisse, en fait, c'est bizarre. Parce que quand on glisse à droite, notre cul part à gauche. Vous allez me dire, c'est peut-être un petit peu normal. Mais voilà, il part à gauche. Bon, après, ça dépend de quelle manière on oriente le stick aussi. Hein, ça, c'est vrai. Mais bon, pour moi, il y a des petits problèmes de ce côté-là. Après, je pense que... Après, je pense que c'est une habitude aussi. Voilà, c'est une habitude à prendre. Vas-y, bouffe pas la fleur là. Je pense que quand on sait bien jouer, quand on a l'habitude de jouer, il y a plus de problème. Ça, c'est sûr. Bon, allez, je vais peut-être réussir à grappiller quelques places avant l'arrivée. Tout peut arriver dans un Mario Kart. Non! Oh, quatrième. Ouh, il m'a pas passé devant. Oh, et t'as fini deuxième. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a grillé la place parce que... Ah, c'est pas grave. Bon, moi, je suis où, là? Troisième, du coup, non? Eh ouais. Oh là là. Ça va, c'est pas beaucoup. Eh oui, mais... Mais ça avait bien commencé, et là, c'est... Ça fait le chemin inverse d'hier, en fait. Ouais. Mais bon, je vais me rattraper. Super départ. Ça, c'est bien. Commence bien. Alors, dans les circuits, la plupart du temps, il y a des passages secrets. Ici, il y en a deux. Un plus simple et un autre un peu plus dur. Où il faut des champignons. C'est essentiel pour pouvoir les prendre.
Il y en a un que je prends habituellement quand j'ai un champignon, normalement je le rate jamais. Et un autre par contre là qui est un peu plus compliqué, et que là bah, je vais pas tenter. Je vais pas tenter le coup parce que déjà d'une, je sais plus trop où il est. Oula, attention, là faut que je me mette sur le côté. Voilà. Faudrait que j'évite d'accélérer là parce que sinon je vais me le prendre. Voilà, l'autre passage je sais pas vraiment où il est, donc je vais pas risquer. Hein, parce que sinon, je vais m'en vouloir, je vais me retrouver dernier. Ça va être joli. Oh non, il m'a poussé, j'ai pas pu les prendre. C'est pas grave. Pour le moment, je suis pas mal, je suis pas trop loin des premiers. Je prends le double objet, oui, parce que comme vous avez vu, on peut prendre soit des objets simples, soit des objets doubles. J'en ai pas encore parlé, mais vous l'avez très bien vu à l'écran. La particularité de ce Mario Kart, c'est bien sûr le fait qu'on soit à deux sur le kart. Alors que dans tous les Mario Kart, on est seul. Donc c'est un choix de la part de Nintendo. Normalement, ces genres de choses sont assez risquées, puisque quand on change le concept même d'un jeu auquel on est habitué, souvent ça ne plaît pas. Et là, ben... Bon, ça a plu. Mais, d'après ce que... Enfin, ça a plu, je dis ça, mais en fait, j'allais dire que... Il me semble qu'il a fait pas mal de polémiques, ce jeu. Notamment à cause de ça. Mais ça n'empêche pas qu'on s'y amuse bien. Ça n'empêche pas qu'on s'y amuse même très bien. Et que c'est un Mario Kart qui a été apprécié... tout autant apprécié comme les autres, quoi. Ça, c'est pas un souci. Le plaisir est toujours là. Surtout quand on s'amuse au multijoueur, bien sûr, hein, comme maintenant. C'est sûr que on prend bien son pied. Et quand surtout quand... Oh, tiens. Surtout quand on est 4, alors là, c'est l'euphorie la plus totale. Oui, mais sur Mario Kart, oui. Ouais, là, bien sûr, je me suis pris un truc. Oh, tiens, je suis encore deuxième. Mais dis donc, mais ils sont où, les autres, là? Ils sont vraiment loin. On les a semés, c'est pas possible. Oh, enfin, en tout cas, moi, je suis tombé quand même et... Je vais pas rattraper. Ouais, je sais pas. Là, j'ai l'impression... Ou alors, c'est parce que je me suis entraîné hier ou parce que j'ai un meilleur kart qu'hier. Oui, parce qu'hier, c'était vraiment de la... Ouais, c'était de la dope que j'avais. Et donc, bah, peut-être qu'aujourd'hui, grâce à mon kart plus lourd, bah, je m'en sors mieux. Et du coup, je trouve ça un peu plus simple. Simple, mais ça reste compliqué parce que comme vous voyez, je suis troisième. Je peux à n'importe quel moment basculer quatrième et sortir du podium, ce que je ne veux pas, bien sûr. On en est à la combien de courses là? 8 sur 16, donc la moitié. Alors cette arène me fait beaucoup penser encore une fois à l'arène de Tiny dans Crash Team Racing. Super, yes, qui est pas mal, hein. elle lui ressemble beaucoup, hein. Oula, oula, non, non. C'est bon. Je me suis pas fait exploser. Oh non, alors ça c'est un truc à pas faire. Ah si, c'est bon, j'en ai eu. Ouais, parce qu'il y a un truc à pas faire, parce que les objets qu'on lance, eh ben, on peut se les prendre. Et si on lance un objet contre un mur, il peut facilement ricocher. Et nous, ben, on peut se le prendre aussi facilement, nous. Oh non, alors voilà, un truc qui est chiant, c'est que quand on a des objets, comme là par exemple, j'avais des bons objets. Et quand on se fait toucher, et ben on les perd. C'est un petit peu... Ce serait trop simple de les garder, j'avoue. Mais bon. C'est frustrant quand on a des bons objets. Et comme dans ce Mario Kart, on se fait toucher dans tous les sens, comme maintenant là. Et ben, on sait qu'on va pas pouvoir les garder longtemps. Donc c'est soit on les utilise au mauvais moment, soit on se les fait... soit on se les fait shipper, quoi. Donc on se les fait perdre. Donc c'est un choix. C'est un choix à prendre. Prends ça, toi. Laisse-moi passer. Oulala. Oh non, il m'a poussé. C'est moi qui ai hérité du... Alors, j'ai pas eu l'objet. Et je me suis fait ralentir. Ça, c'est pas mal. J'aime bien avoir des doubles objets comme ça. Hop là, encore un. Si on veut que les objets apparaissent plus vite... Voilà, je fais n'importe quoi. Vite une étoile, voilà. Si on veut que les objets apparaissent plus vite quand ça roule comme ça, quand il y a la roulette... Faut rappuyer sur la même touche. Calme-toi, tu es première. Calme-toi. Moi j'ai une tortue là. C'est peut-être moi.
Ouais, il faut appuyer sur la même touche que lorsqu'on lance un objet, donc c'est-à-dire X. Et donc la roulette s'arrête plus vite. Donc là, des champignons en étant troisième, c'est pas mal. On aurait bien pouvoir être deuxième. Bon, il faut le mériter. Les trucs doubles, voilà. Ça va, j'arrive à maîtriser un peu. J'aimerais bien passer deuxième. Vite, j'arrête la roulette. J'utilise, je prends un nouvel objet. C'est pas mal. Je rattrape toujours pas le premier. Je vais lancer, mais c'est risqué. Je crois pas que je l'ai eu. T'es tombé. Bah oui, mais parce que je suis quoi. Mais t'es vachement loin. Bah ah non. Ouais, je suis vachement loin, t'as raison. Ah bah non, tu vas finir deuxième. Merde. Bon, troisième. Pas l'arrivée, c'est que j'étais horrible. Tu vas, t'as lancé quoi? J'ai lancé un carré à cube. En avant? En avant. Et putain, il se l'a reçu, bravo. Ouais, ça c'est un peu plus compliqué, c'est avoir des objets fixes comme les comment on appelle ça d'ailleurs? Les cubes surprises, non? C'est comment? C'est les objets. Ouais, enfin bref, les cubes maléfiques. Ou comme les bananes. On peut les lancer en avant, mais c'est beaucoup plus compliqué à viser quand on a quelqu'un devant soi. Apparemment, Hiraku aurait réussi. Alors celui-ci, c'est un circuit assez embêtant. Et encore, non, c'est pas le plus chiant. Il y en a un autre qu'on n'a pas encore fait. C'est aussi sur la route. Et là, le problème, c'est qu'on se prend des véhicules partout. Quand on fait pas attention. Oh, j'ai cru que c'était moi qui m'étais fait avoir. J'ai senti un boom, là. Tiens. Alors là, ici, moi avant je tentais tout le temps, mais ne tentez jamais. Ah, d'aller sur le pont. Voilà, à part si vous êtes vraiment bon et ouais, que. C'est ce que j'ai fait. D'aller sur le pont. Ouais, toi tu faisais, t'y arrivais? Ouais. Ouais. Mais voilà, ce truc d'aller sur le pont, franchement, ne faites pas cette erreur. Parce que moi. Enfin, surtout si vous n'avez pas l'habitude de jouer, parce que moi souvent je le faisais et à chaque fois je me pelais, donc c'est pas la peine. En plus, même si on y arrive bien, je sais même pas si ça vaut. Ouais, mais tu montes quand même. Donc tu perds ton temps à monter. Je sais pas si au final. Oh non, je vais le payer. Je crois qu'il y a une manière d'éviter les carapaces hein, en glissant. Mais je suis pas encore assez bon pour. Oh non, je voulais esquiver. Dommage, c'était pas le dernier tour là. Non, je sais même pas, peut-être qu'on m'aurait dépassé. Oui, je veux t'entendre. Non! Allez. Vous l'avez échappé belle celui-là. Un objet, pas mal. Allez, tiens, prends ça. Non, t'as un objet. Oh, mais non, je dis prends ça et c'est moi qui me prends des trucs. Oh, mais vas-y, c'est de la triche là. Deux fois. Non, pas troisième. S'il vous plaît. Allez, elle. Allez. Non. En avant. Ah non. Ça va pas être bon, ça va pas assez. C'est pas assez. J'ai mal visé. Voilà, donc je vous parlais de ça au début de la course. Et voilà, j'ai tenté le coup de viser. Ça a pas marché. Pas grave. C'est pas grave. Mais c'est la zone que tu fais ça. Ah non, pourtant, tu regarderas la vidéo. J'ai essayé de. Eh, c'est pas de ma faute si je suis nul, d'accord? Bah, moi aussi. T'es pas obligé de me faire de me rendre compte de mon nullisme. Mais moi aussi, j'y arrive pas. Oh, bah. Je pense que c'est un peu de chance, mais tout à l'heure, t'y es pas mal arrivé aussi. Bon. Sion. Ces circuits, je l'aime bien. Donc, déjà, de par le fait que les. Dans un seul et même circuit, c'est assez varié. Et en plus, bah, ce qu'on est en train de faire là, ça c'est quand même énorme. J'adore ça. Le canon, ça c'est. Et je crois qu'il y a pas mal de. Vas-y, prends les deux. C'est pas vrai. Non, mais c'est pas possible. Ouais, je crois qu'il y a beaucoup de joueurs qui apprécient ce genre de circuit. Et aujourd'hui, là, ça va un peu mieux vu que j'ai un kart un peu plus lourd. Parce que hier, comme j'étais léger, bah, les boss, alors quand je les prenais, je volais pendant au moins 3 secondes. Hein. Et du coup, bah ça ralentit énormément et... Non, ne pose pas ça. Ne pose pas, t'inquiète, regarde. Ah oui, tu vas le poser sur le pont, bien sûr. Bon,
Oulolololo. Ça m'a éraflé. Ça t'a éraflé ça aussi. Non, s'il te plaît. Bah tiens, bien fait. Non, regarde, c'est dans le canis. Ah non, mais tu l'as... Ah oui, d'accord, comme tu l'as perdu. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Elle était à côté. Bon, pour le moment, ça va. T'as entendu ta voix? Ouais, j'ai entendu. Ah, waouh, 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 waouh. Oh, Mario to get next time. Il fait toujours des... Ouais, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça va bien mieux. Je sais pas si c'est parce que tu t'es gouré, t'as mis en 100 cm cube, je sais pas. Non, 150. Ouais, non. Non, mais c'est peut-être... Oh non, mais là, je fais vraiment con, là. Je dis ça, bah, je sais pas, je glisse, je fais n'importe quoi. Bon, je peux pas aller là. Ouais, je sais pas si c'est le kart qui fait tout, hein. Franchement, moi, je pense que c'est ça, hein. Oh non. On dirait que... Les carapaces vertes... Aïe, 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 aïe. Les carapaces vertes, elles ont beau ne pas être à tête chercheuse, j'ai l'impression que elles sont prédestinées à nous toucher. Ouais, et moi, et ben, je me suis ramassé ça dans la montée. Et ben, je peux dire que ça ralentit. Elle est encore là, ta carapace? Pouh, je galère et pourtant, je suis encore deuxième. Je sais pas comment je fais. Iraku, elle est tranquillement première. Je vais essayer de la faire chier avec une carapace bleue. Ah non, deuxième. Ouais, c'est vrai que deuxième. Un petit boost là. Même si. J'allais dire, même si c'est un peu dangereux de l'utiliser là. Et oui, en effet. Ah, et là, c'est vers la fin. Je passe troisième. C'est magnifique, c'est super. Elle a déjà fini. Moi, j'entame seulement la descente là. En virage. Pousse en arrière. Même si quand on. Quand on lâche les carapaces rouges en arrière, elles ne sont pas à tête chercheuse, bien évidemment. Oulala. Là là. Alors là, attention. Parce que ça paraît simple comme ça visuellement à esquiver, mais. Je peux vous dire que. Déjà, le pont, il nous fait des petits sauts, donc on peut pas trop, on n'est pas trop maître de son véhicule. Mais en plus, comme je vous dis, ça glisse pas mal. Enfin, moi, je trouve. Et donc, ça dit. Bah, moi qui n'ai pas l'habitude, je trouve que ça glisse. Voilà. Il faut que je m'habitue. C'est tout. C'est une question d'habitude. Toi, tu l'as depuis très longtemps, ce jeu. Tu joues énormément. Forcément, tu t'es habitué. Voilà. D'ailleurs, en parlant d'habitude, il y a certains joueurs qui préfèrent certains Mario Kart à d'autres. Mais ça, je pense que c'est avant tout, bah, comme je dis, par l'habitude. Quand on a beaucoup joué à un jeu, on s'y habitue et forcément on a pas mal de souvenirs avec, de la nostalgie. Je pense qu'il y a un peu de nostalgie dans tout ça. Et oula, je sens qu'elle va se venger. Ouais, voilà. Retour à l'envoyeur. Bon, et non, et du coup, en fait, je pense ça ralentit plus. La carapace, tu veux vraiment la prendre la gueule? Non, c'est bon, j'ai pas trop envie. Ouais, c'est. Arrête de me suivre au cul, toi. Ah, c'est pas moi. Aïe. Ouh là là, alors voilà, voilà. Bah, c'est ce circuit que je vous disais avec les. Avec les voitures. Ouais, ça dépend en fait. Parce que je peux vous donner quelques références. Quand on voit. Que par exemple, Hooper, lui, il a beaucoup joué à celui sur NES. Préfère celui sur NES, bien qu'il a dit qu'il aimait beaucoup celui-ci. BB300, lui, il a beaucoup joué à celui sur Nintendo 64. Il préfère celui de Nintendo 64. Et par exemple, Iraku, elle a beaucoup joué à celui-ci et elle préfère celui-ci. Donc voilà, c'est pour vous dire que c'est une question d'habitude. Et que. Qui m'a fait ça là? Ah non, c'est pas moi. Et je pense. Esquive. Et je pense... Oh non, mais t'es un esquivain, il y en a un autre qui arrive derrière. Mais bien fait. Ouais, c'est une question d'habitude. Et puis c'est tout, quoi. Voilà, c'est... En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué. Voilà, moi, je loupe les objets, c'est n'importe quoi. Là-bas. Je suis cinquième, enfin quatrième maintenant, c'est n'importe quoi, là.
pas passer au même endroit que Hiraku, sinon je vais me faire avoir. Oh mince, il y avait champignon. Yes! Comme quoi on peut passer le premier d'un coup. Oh putain, cette chance de malade! Ah, il y a un truc, c'est qu'on voit pas souvent les objets qui sont à terre, donc du coup, des fois on veut prendre un champignon, mais on se rend compte qu'en fait c'était une carapace, ou alors le contraire. Casse-toi, toi! Non, me dites pas que je vais finir premier! Non! Va te faire foutre, toi! Ça y est. Oh, Hiraku, elle commence à être vulgaire là. Je suis premier! Bon, au moins j'aurais fini une fois premier dans le Grand Prix, c'est bon. En plus, ça me fait gagner pas mal de points. Ah bah t'as de la chance parce que d'habitude je me fais jamais exploser, je me prends jamais des bagnoles. Ouais. Ah mais tu sais, il faut bien que ça arrive des fois. C'est l'exception qui confirme la règle. Ouais. On va dire ça comme ça. Allez, moi non, je sens bien le paquebot là. Oh. Et je sais pas pourquoi, mais en ce moment j'ai pas mal de chance dans mes prédictions. Peut-être qu'il faut que j'en fasse mon métier, je sais pas. Tenez, ça vous fera du bien. J'ai failli me le reprendre, moi. Si je devais compter le nombre de fois où tu m'as cramé le cul, putain. Ouais, bah si je devais compter le nombre de fois où je me suis fait piquer avec ta putain de grosse carapace. Ah, bah peut-être pas ce Grand Prix, mais alors les autres fois. Je peux vous dire que j'ai ramassé. Donc, il y a quelque part une petite vengeance. Et je n'ai pas peur de toi, Hiraku. Même si t'as plus d'expérience et que t'es meilleur. Allez, j'assure mes arrières. Et elle va me toucher. Voilà. Et ben voilà, comme ça, tes champignons et tout, ils se retrouvent sur le côté. Oh là là, là, je me fais bourriner comme un dingue. Hiraku, c'est génial. Et allez, bah oui. Ouais, je sais, je suis d'accord. De toute façon, c'est prévisible dans les Mario, donc ça m'étonne même plus. C'est quoi? C'est pour ça que c'est mieux de se faire bien bourriner au début et de remonter avec des bons objets à la fin plutôt que le contraire. Parce que t'es content, t'es premier tout le long, mais après tu te fais bousiller et voilà. Les autres ils te remontent avec des bons objets. Doucement mais sûrement. Je crois que la... C'est pas vrai. Je crois que la moins bonne place, c'est être deuxième. Parce que ça, j'en ai fait le... Enfin, quand on est pendant la course, hein, ça, j'en ai fait l'expérience hier. Oh non, je prends pas d'objet. Parce que, en fait, quand on est deuxième, il y a le premier qui nous balance toutes ces bananes, carapace et tout, et on est les premiers à les voir. Et en même temps, derrière, on a les concurrents qui ont des bons objets et qui nous rattrapent. En étant deuxième, on n'a pas de très bons objets, enfin, ils sont pas mal, mais pas exceptionnels. Donc du coup, bah, je pense que deuxième, c'est la moins bonne place. J'en ai fait l'expérience hier et pourtant, je me suis quand même débrouillé comme j'ai pu, et pas mal. Puisque j'ai réussi à finir sur le podium, troisième, alors que, comme je l'ai dit, à un moment dans le classement, je devais être, je sais pas moi, 8ème, j'en sais rien. Deuxième, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Vu que j'arrive pas mal à terminer deuxième, faudrait que j'essaie de viser le plus de fois la première place. Hein. Avec Hiraku. En plus, elle-même le dit. Ça va, t'as pas les chevilles qui enflent là? C'est bon? Non, elle a de quoi. Hein. Mais bon, si tu veux, après, on se fera une vidéo de Crash Team Racing. Hein? On verra. Qui triomphera? Non, je pense pas qu'on fera ça, parce qu'au bout de deux courses, elle en aura marre. Yes! Ça, c'est... Au début, c'est soit t'as de la chance, t'as un objet, soit tout le monde te les prend. Alors, je déteste ce niveau. Bon, ou alors, j'ai une idée. Je sais ce que je vais faire. Je vais rouler tranquille pendant tout le long. Comme je l'ai dit, là. Je vais rouler tranquille. Je vais essayer de pas trop me faire avoir. Et puis, vers la fin... D'accord. Alors là, je me fais cramer bien moi-même. Fait. Tu vois ce que ça fait Ouais, ça brûle. Ouais, je vais essayer de rouler tranquillement. Et puis, vers la fin, je prends des bons objets.
et j'essaierai de remonter. C'est risqué. Voilà, bon, pour le moment, je vois que ça va à peu près. En fait, à mon avis, il faut rouler calmement. Il faut pas tenter de glisser dans celui-là. Parce que surtout, là, avec la glace, là, c'est... Enfin, surtout sur la glace, faut pas glisser. Parce que c'est meurtrier. Donc là, on fout des petits à-coups sur l'analogue. Voilà, comme ça, on se dirige bien. Pas de soucis. On balade ça en arrière. Il raconte, on la laisse tranquille de peur qu'elle se venge. Ça, je lance en arrière. Pas me faire avoir. Voilà, pour le moment, tranquille. Allez, encore une deuxième. Allez, faut pas s'affoler comme ça. On a de la chance. Maintenant. Voilà, c'est pas mal. T'attends une. Alors là, je glisse, mais je devrais pas. Ouf. Allez, Wario! Je crois que le pire, c'est de tomber dans les précipices. Là, tu perds un temps de dingue. Eh merde! Troisième, ça va encore. Non! J'ai mis le boost! Vas-y, une banane est en cinquième. On va préférer une. Ah, et c'est le dernier tour en plus. Et voilà. Et voilà. Oh, une étoile, ça peut me sauver. Non, remarque, ils sont trop loin. Cinquième, c'est pourri. Oh non. Eh ben non, mais non, mais je le savais, je l'ai dit en plus. Pourtant j'ai roulé tranquillement. Mais tu l'aimais pas, c'est normal. Ouais, c'est vrai que dans ma tête je m'étais déjà dit que j'allais finir comme une merde. Celui-ci, normalement, je l'aime pas. Hier, je l'ai plutôt bien maîtrisé, je trouve. Ouais, il est assez long, donc il y a deux tours. C'est le seul, je crois, où il y a deux tours. Ouais. Et donc, hier, c'était pas mal. On va voir si ça se confirme aujourd'hui. Là, l'objet, c'est pas bon. Ouais, bien sûr. Là, c'est premier arrivé, premier servi. À part les manchots qui passent à côté, mais... Alors là, préparez-vous à avoir des bananes. Préparez-vous à avoir des bananes sur les accélérateurs. Sauf que là, c'est moi qui en ai posé, moi. Non, ça c'est la spécialité de Hiraku. Fait maison. Alors, j'aime pas trop ce passage, donc je préfère désaccélérer à chaque fois. Est-ce que quand ils nous atterrissent dessus, ils peuvent nous écraser? Les personnages. Ce qui me semble dans celui sur Wii, c'est possible. Ah oui, c'est vrai, je me rends compte, mais dans celui-ci, il n'y a pas de pot. De pot. Oh non, mais c'est moi qui lance, c'est moi qui ramasse. Non, mais attendez, là. Il n'y a pas de pot, c'est-à-dire des trucs qui nous écrasent, en fait. C'est normal, on peut pas sauter. Ouais, c'est vrai. Si. Ah oui, il se met au-dessus de notre tête et on saute, c'est ça? Ah, je sais pas, tu sais, j'ai pas beaucoup utilisé. Je m'en rends juste compte. Parce que sur Super NES il y est, sur 64 je sais pas. Sur Mario Kart oui il y est, il me semble. Bon là j'ai fait de la merde là. Oh mais c'est pas vrai, qu'est-ce qu'on ramasse? Ah, c'est encore jouable, c'est encore jouable. Histoire qu'on m'emmerde pas, je puisse faire ma course tranquillement. Non! Je sais pas si c'est bien de lancer ici. Il y a un concurrent juste à côté. Voilà. Ce virage, je sais pas comment le prendre complètement à l'intérieur. Peut-être que je pourrai un jour. Je vous accélère. Et ça m'empêche pas de prendre. Ça va, pour le moment c'est pas catastrophique. Et comme là il y avait un cadeau empoisonné là. Ouf. Et je savais pas si c'était un bon ou pas, je l'ai pas pris. Bon, on voit pas trop les items qui sont parfaits.
ça rajoute du suspense. Mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. L'autre il est tombé, je crois. Tant mieux. Le deuxième il est juste là. C'est le dernier tour. Donc il y a une chance que je finisse deuxième. Oui, le premier j'oublie parce que toi t'es loin. Et encore t'es juste là. Hein. Bon là c'est la fin. Non ! Non ! C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, dites-moi que je peux finir troisième encore. Oui. Oh non, c'est pas vrai. Hiraku, je te déteste. Ne souris pas comme ça. En plus, j'avais un double objet là. Ah mais ça va, je suis deuxième au classement. C'est bon, moi, je suis loin devant. Je peux finir encore sur la deuxième marche. Et toi, oui, toi t'es loin devant. Impossible de te rattraper. Lui, c'est l'avant-dernier, non? Ouais. Il est toujours avant-dernier, celui-là. Non? Ah, j'ai cru. Alors, dans celui-ci, je connais un passage... Pas de... Merde. Pas de... De super départ, c'est pas grave. Je connais un passage tout petit, hein. Et que normalement, j'arrive à prendre tout le temps, à part quand il y a une boule de feu de Bowser qui m'en empêche. Mais hier, je l'ai pris durant les trois tours. Ah, je crois que tous les items dans tous les jeux de course comme ça qui nous suivent, comme les carapaces rouges, les fusées dans Crash Team Racing, ou, je sais pas, mais tous les trucs qui nous suivent, je crois que c'est l'ennemi de tous. Enfin, c'est l'ami de tous quand on l'a, et c'est l'ennemi de tous quand on y est confronté. Ça, c'est... Ouais, tout ce qui nous suit, comme les carapaces rouges. Ah ouais, ça c'est des items, c'est horrible. Alors, le passage, il est par là. Donc, la tête de Bowser, elle est pas en face du passage. Donc, j'ai encore une chance de le prendre. Attention, c'est ici. Voilà. Alors, faut un petit peu tourner quand on y est, histoire de pas... les bananes. Ça me rappelle hier aussi, il y avait plein de bananes, je réussissais à toutes les esquiver ici. Ouais, le passage, faut un petit peu tourner quand on le prend, sinon on risque après de foncer dans le... Dans le décor en face, parce qu'il y a un trou en face. Je pense que ça doit être fait exprès. Et là, ça nous fait perdre un temps énorme, alors qu'au départ, on voulait plutôt en gagner. Ça va, j'ai l'impression que les dérapages, je commence un petit peu à les maîtriser. J'ai plus que hier, ça c'est sûr. La meilleure carte. Normalement, hier on a calculé un grand prix comme ça, c'est une heure. Et là, la vidéo elle a commencé depuis 46 minutes normalement. Oh, j'ai sauvé mon œuf. Et. Oh, bah moi j'ai pas sauvé mon œuf. Ça a l'air d'être ça, hein. Ça fait peut-être même un peu mieux. Allez, vite avant qu'il lâche encore une. J'esquive les bananes, voilà. Il n'y en avait pas tellement. Non, là, ils ont disparu. Et moi, je lui envoie tout comme ça. Ah, elle s'est pris la moins probable, elle s'est pris la verte. Elle. Non ! En plus, je voulais me décaler, voilà, je voulais me décaler. Mais il se décale pas tout de suite. Faudrait maîtriser la glisse. Encore plus. Là, il y a un vrai pro. Oh non. J'ai vu cette carapace, elle était encore prédestinée à ma voix. Ah, j'aime bien quand les flammes sont à droite comme ça, pas de soucis. J'ai un cadeau pour toi. Oh, elle s'est cassée à la montée. Ouais, pour toi. J'esquive des trucs, je sais pas comment. Ouh, c'est bon. J'avais payé le mur. Je sais pas si ça m'avance grand chose parce que. Apparemment, il y en a plus. Voilà, faut pas que je fasse le con. T'as de la chance à la... Ouais, ouais, et bah non, et bah non. Faut pas que je fasse le con et je le fais. Est-ce qu'ils sont loin de moi? Ouais, il me semble qu'ils sont loin de moi. Ouais. Ouais, c'est bon, c'est bon. Bon, de toute manière, pas de regret. Ah! Punaise! Ouais, pas de regret parce que de toute manière, j'aurais fini deuxième. Voilà. C'est bon. Tout va bien.
Je pense que c'est bon, hein. De toute manière, je finirai deuxième, même si je finis dernier. Oh, quoique non. Ah non. Léa. Ouais, il faut que je finisse quand même dans les trois premiers, hein, il me semble. Ouais. Donc là, la Rainbow Road. La Rainbow Road, j'ai remarqué, c'est soit tout va bien, soit tout va mal. Ouais. Jusqu'à maintenant, ça a été, on va dire. Je suis plutôt fier de mon parcours. Oh là-bas. Ça se répète de tout perdre maintenant. Je vais me concentrer. Et en fait, ben, je crois que je vais vous laisser apprécier l'ambiance. Comme ça, vous allez arrêter de nous entendre râler. Parce que là, ça commence très mal déjà pour moi. Et puis voilà, la musique qui est pas mal. Allez, je... Du calme. Allez, je vous laisse écouter. Ouais, c'est parti, là on entame le dernier tour. Pour le moment, tout se passe bien. J'esquive des trucs, je sais pas comment parfois. On est plutôt pas mal. Avec Hiraku, on se tient bien. Lui en veut pas, mais elle apparemment, elle m'en veut. Je sais pas, tu viens de m'envoyer un truc, moi je sais. C'était pas spécialement destiné à moi. Mais... Donc là pour le moment, ça va. Bon, j'avoue que moi aussi tout à l'heure j'ai essayé de l'envoyer. Non! Ah non, ça c'est un truc à pas faire! Putain, non, je le sais! Il faut pas glisser ici! Je suis déconcentré. Ah, elle aussi elle est tombée. Ça va revenir au même au final. Oulala. Là là. J'ai désaccéléré, mais ça a pas suffi. Oh, t'es un normal. C'est qui? Pourquoi normalement il est dernier? Bah, je sais pas, il nous a pas emmerdé, mais bon. Ouais, c'est vrai. Ouais, donc là ça se corse un petit peu dans le dernier. Si ça reste comme ça, c'est pas mal. Je peux encore espérer être deuxième au classement final. Et finir premier sur Rainbow Road, c'est bien aussi. Là, malheureusement, ce sera encore une fois Hiraku. Et j'ai pas eu d'objet. Bon, bah voilà. Oh non, je fais le con, putain. Je voulais glisser, mais bien sûr. Bon, troisième, c'est bien. C'est bien. Allez. Bon, ben voilà. 55 minutes.
Je suis plutôt fier de mon parcours. Normalement, deuxième. Voilà. Eh ben écoutez, je suis content. Content d'une part parce que Hiraku a fini première, elle a eu ce qu'elle voulait. Parce que hier, elle stressait déjà de la vidéo d'aujourd'hui. Elle avait peur de perdre. Et moi, eh ben, qui pensais que ça allait être un vrai calvaire pour tenter d'être dans les trois premiers, ben, j'avoue avoir plutôt bien maîtrisé ma conduite. Bon, il y a eu de la chance parfois, comme d'habitude. Mais au moins, voilà, le résultat est là. Je suis deuxième, je suis sur le podium. Donc je suis bien content. Petite cérémonie de fin là, distribution des trophées. Voilà. Bon, et ben du coup, la vidéo s'arrête ici. Je souhaite que vous retourniez bien dans vos occupations. Et puis, écoutez, je vous dis à plus tard pour la prochaine vidéo. Ciao à tous!